Et coucou YouTube et bienvenue pour la rediffusion de ce Not So Berry. Merci beaucoup Patty pour son follow. Merci énormément à toi et bienvenue sur la chaîne. Bienvenue, tout ça. Même YouTube, vous pouvez souhaiter sa bienvenue à Patty1308. On est de retour donc sur le Not So Berry. On vient de relooker Opaline qui était donc devenue adolescente la semaine dernière. Un petit coup de bistouri qui est passé par là. Du coup, maintenant, elle est très très choupette. Elle était déjà choupette de face, mais de profil, ça me plaisait pas trop. Maintenant, c'est fait. Coucou YouTube, des bisous de Twitch. Grand sourire. Des bisous de Twitch, c'est ça. En tout cas, il est 6h du mat. On a des frissons. Toya est là. Et il baisse le son. Toya, il a des abdales. Long YouTube. J'espère que tout le monde va bien. Mais pourquoi agent t'es triste? Agent 21, boule, agent 21, boule, agent 21, boule. Style de vie dynamique, conflit avec son trait de caractère. Sérieux? Tu pleures pour ça, mec? Alors, bien sûr, pour ceux qui n'ont pas suivi, Master Toya. Chef Toya. Bon, ok. C'est bon? Bon, toi, tu vas être lavé, tu pues. Elles ont l'air buggées. Ça commence bien le jeu. Merci, le jeu. Chef Toya a donc atteint le niveau 10 de sa profession. Donc maintenant, nous avons terminé la génération verte la semaine dernière, en fin de live. On l'a terminé. Comme ça. Tranquille, Emile. On était... Mais qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il a peur? Qu'est-ce qui se passe? A peur du monstre. Non. Je t'ai mis une lampe! Et puis t'as le lit anti... Non, t'as pas le lit anti-monstre. Mais je m'en fous, t'as... Puis le Hulk, il a pas peur d'un monstre. Oh là, j'en ai marre. Il commence déjà à m'énerver tous comme ils sont, là. Ça va être folklore, je pense. Donc oui, ça y est, on a terminé la génération de pêche la semaine dernière. Par la plus grande des surprises, hein. On s'attendait pas à ce qu'il devienne chef. Donc il l'est. Et notre aîné... Oh, il a fait à manger pour la famille. Oh, mais qu'elle est choupette. Tu es mignonne. Donc ça, c'est Opaline. Qui a été revue et corrigée. Donc voilà la demoiselle. Ah, elle est beaucoup mieux, hein, comme ça. Et puis, bien sûr, de vert vêtu. Et ça, c'est des traces de bronzage. Parce que la semaine dernière, on l'a fait prendre le soleil. Tout simplement, et regarder son profil. C'est nettement plus sympathique. Ah, bon. Voilà. Elle est mignonne, elle a fait à bouffer pour tout le monde. Et salut Alex, comment vas-tu? Excuse-moi, j'étais en plein blablatage. J'arrive et je vois des gens qui ont fusionné. Bah non, mais ça c'est les bugs. Les bugs des Sims, quoi. Tu vas te plaindre de problèmes. Tu vas discuter de son intérêt. Tu vas parler des jouets. Tu vas parler à ton frère, tiens. Pas ton animal préféré. Et toi aussi tu vas parler. Près du temps ensoleillé. Et donc Jenny on the block, a rejoint le foyer également. Et elle est là pour passer l'aspirateur. C'est horrible, mais c'est un peu le cas. Salut Mamie Yoda, comment vas-tu? Donc pour l'instant, eh ben écoutez, nous sommes en attente que la génération verte. Alors attendez. Ah, c'est Jenny. Non, Jenny, on s'en fout, elle y va toute seule. Nous sommes en attente que la génération verte grandisse et devienne au moins adolescente pour pouvoir faire la compète. Alors, la compète de la génération verte. Plus ça rime. En quoi va-t-elle consister? Poil au nez. Comme ils ont le trait geek, je me dis que... La compétition... vous savez, quand il y a le festival avec les ordinateurs, là. Le piraton, là. Et eh ben, on pourrait leur faire compétitiver les trois. Enfin, ça dépend hein, qui est beau, qui est moche dans l'histoire. Hein. Et bien, celui qui gagne. Il faudrait bien sûr arriver au moment où il y a un piraton. Je crois que ça s'appelle piraton. Tu vas te faire des amis. Et l'autre là, avec son ours, eh ben, va te faire bourser. Mon petit Toya va faire un bon petit pipi. Bah oui, tu bois de l'eau. Tu t'attendais à quoi?
combat à mort. Visé par les bêtises du petit ange. Ah bah qui le dis-tu hein. Comme je disais tout à l'heure. Jamie, qu'est-ce qu'il m'a fait hier? Ben il a, quand je me suis levée, il a épissé sur un coussin du canapé. Ça faisait longtemps. Ça faisait vraiment un moment qu'il avait pas pissé n'importe où. Et puis ben et ce matin, il a couru partout et il a renversé un seau où j'avais un seau pour nettoyer le sol. En fait, il y avait encore de l'eau dedans, donc il a tout renversé. Voilà. On est content. Ah, le festival, Claire, bah profite-en parce que je crois qu'il termine demain. Et salut, Ombra Queen, comment vas-tu? Puis on peut pas faire de combat à mort, Alex, je suis désolée parce que en fait, on peut pas tuer. Ma, qu'il est beau! C'est le chef Toya Rainbow. C'est le chef, t'as vu qu'il est beau. Oh, 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 il a fait une drôle de tête, là. Donc aujourd'hui, on n'a pas... En fait, on doit voir... ouais, on a quand même bah, à peu près les mêmes choses à faire. Et casse-toi, toi. Chef. Ah bah non, hein. Eh, il n'y a qu'un seul chef. Il n'y a qu'un seul chef, Toya. Va lui casser la gueule. Vous pensez que s'il le bat, s'il se bastonne, il va se faire virer? Dégage. Ah, t'es obligé d'être sympa? Je veux pas être sympa. Ah non, méchante. Attends, tu vas faire une présentation grossière. D'où c'est le chef? C'est Toya le chef? Usurpation d'identité, là. Vous étiez chef par intérim. Maintenant, je reprends les dossiers. Cassez-vous maintenant. Salut Marina Fer, comment vas-tu? Question, c'est quoi la commande déjà? Pour savoir depuis combien de temps j'ai follow. C'est FC. Méchant. Insulté. Bon, de toute façon, même s'il se fait virer, on a atteint le niveau 10, on s'en fout. Demandez à Karim quel est son problème. Vas-y, c'est quoi ton problème? Wesh. Brr. On va lui crier dessus. Faire semblant de renvoyer. Non, tu vas le renvoyer, en vrai. C'est toi le chef, Toya, hein. Te laisse pas marcher dessus, hein. Fais-le démissionner avec le MCC, tout à fait. Tu ne devrais même pas avoir à me demander, tu devrais voir que je suis un peu amer. J'ai envie qu'il se bastonne. La baston! La baston! La baston! La baston! Insulter l'éthique professionnelle, rien à foutre. De toute façon, il est à moitié mort, le mec. Mais, bah, exclamation FC, Alex. Supplie de pardon, rien à foutre. Ouais, moi je suis une thug aujourd'hui. Oniri 2020? Ah oui, c'était. Non, j'ai l'impression qu'on est toujours en 2020. Mais non. Il faut que tu le refasses, regarde ce qu'il fallait attendre 15 secondes, Alex. Mais vas-y, refais-le, ça devrait aller. Allez, casse-toi! C'est moi le chef! Comparons ce qu'un combat. Qu'est-ce qui c'est? Qui c'est qui gémit là? C'est toi qui gémis? Voilà. Nous, on est comme ça, on prend le bureau du chef. Voilà, tu sais, il y a le petit point d'interdiction 15 secondes, c'est-à-dire qu'il faut attendre 15 secondes avant de refaire la commande. Le 9 juin 2020. Ah bah oui, c'était pour sortie de écologie. Petit coquin, va. Salut Sarah, comment vas-tu? Ça fait plus d'un an maintenant que j'ai follow. Bravo Alex, t'es toujours pas parti. Bah, t'as toujours pas gagné aussi, j'avoue que... avril, ouais, c'est ça, Oniri. T'es arrivé au milieu, ouais, carrément. Faire un port de machin, il faut ajouter des indices. Mais je me souviens pas qu'on avait un... On a une affaire, on a signé une affaire, hein.
Vas-y, ajoute des indices. Je sais pas comment, mais ajoute des indices. Ah, il a peur de l'orage. Le Hulk a rencontré Marina. Indice découvert. Le suspect portait un chemisier. Incroyable. Nous allons... Quelle est-ce qu'elle fout là? Oh la vache, la tronche. Cette grognasse là. Blasée de la vie. Casse-toi! T'es toujours pas, tu t'es toujours pas fait engrosser là? Elle a accouché, elle a fini par accoucher. Deux enfants? Allez, ouais. Une petite fille encore avec Martial. Ouais. On dirait moi, tiens. On dirait moi quand je fais du montage. Il est devenu chef. Oui, on est au niveau 10. Allez, casse-toi maintenant, Shirley. Maintenant, tu te casses, eh. C'est notre bureau ici. Mais d'où t'as peur, ça va? Et tu vas pas faire... Et merci beaucoup, K-Starzy, pour ton follow. Bienvenue à toi. Alors, tu vas comparer les informations. Va t'occuper de tes enfants et de ton mari. T'as l'impression que t'as loupé un live? Bah écoute, c'est tous les mercredis, le Not So Berry. Donc si t'étais pas là mercredi dernier, oui. Je regarde sur YouTube le Not So Berry avant de venir sur les lives, j'ai commencé avec le Decades. Ah oui. Bah, le Decades, c'est fini. Tu manqueras plus rien. Tout est là. Tout est fait. Elle est relou. Ouais, Shirley, je l'aime pas. Dans le jeu et dans la vraie vie. Et tu vas analyser une preuve. Mais pourquoi t'es habillée comme ça, toi? Oh, elles sont amoureuses. Oh, elles vont faire des bébés. Qu'est-ce que tu racontes? Mais tu vas pas... J'ai pas parlé qu'il fallait parler. Mais qu'est-ce que lui fait, lui aussi? T'as un petit peu de bidou. Toi aussi, tu t'attends un bébé? Alors, comment ils vont, nos prisonniers? C'est vrai qu'il y en a un qui l'a claqué la dernière fois, hein. Il y a son urne qui est encore là. Les trois autres attendent et ils ont un nouveau pote. Ah, cette Shirley est chiante. Ah ouais, non, je l'aime pas. Toi aussi, tu vas te barrer, moi, je te le dis. Je peux pas verrouiller la porte. Je peux verrouiller l'ordinateur. Pam pam pam. Je pense pas parce que c'est un truc de taf. C'est trop nul, je peux pas verrouiller. Son bureau à lui. Du coup, il a fini ses objectifs. Et oui, c'est ça, ça. On a tout fini. Donc maintenant, il nous suffit juste d'attendre. Que les enfants grandissent et tout. Et là, du coup, on se fait une petite journée en tant que chef. Mais bon, comme c'est pas non plus incroyable. Parce que c'est toujours... bah, c'est les mêmes choses que quand il était pas chef, en fait. Donc bon, peut-être qu'on ira l'envoyer... une femme avec un chemisier, c'est ça? Comparer les informations, c'est sur la scène... aller sur la scène de crime. Paf, pif, pouf. Être qu'un prisonnier fasse tomber la savonnette. Oh là là, Alex. Bah écoute, en tout cas, ces mesdames ont eu des grossesses, hein. Donc, c'est que ça y est allé, hein. Tu vois, deux garçons, deux filles. Plusieurs possibilités. En tout cas, ça a marché, les deux étaient enceintes. Par contre, je sais pas où sont leurs gosses, hein. Ça, c'est leur problème, c'est pas moi qui... Moi, je m'en fiche. Hop, on va réanalyser une preuve. Youpi! C'est passionnant! Petroni est morte. Arrête, mon soldat! Il y en a, ils étaient choqués quand je leur ai dit que Pierre-Nard était mort dans le Dickens. À cause du Lord and Lady. Et ma chatoune chérie qui monte la garde devant ma porte.
Parce que tu dois te faire agresser, y'a qui derrière la porte? Moi j'ai mon chaton qui. J'ai Titi qui dort là et bah, Jamie dort par terre sur le tapis. Écoutez. Hein. Qu'est-ce qu'on peut exploser? Et j'ai la fatigue dans mon corps. Toujours trop de lumière ou quoi? Vous savez, comme je suis encore plus blanche que d'habitude, ça doit pas aider. Donc, je vais accélérer un peu le temps. Comparer. Ah putain, mais c'est pas vrai. Mais cassez-vous, mais ils sont combien là? Attends, vire 5, il y en a 5 qui reviennent. C'est un peu comme Monique, hein, 2 qui la tiennent, 3 qui la. Ils sont à la DAS, les gosses des prisonniers. Ça s'écrit comme ça? ADAS? Mais il me semble que c'est ça parce que. Moi dans ma tête, ça s'écrivait là comme la citrouille, la fontaine, tu vois. Et DA2S. Bah dis donc, c'est potionnant. Allez, va chier parce que t'as été effrayée là. Va faire caca. En étant paniquée. Vous aussi, vous faites caca en étant paniqué? Il est chef et fait même tâche qu'avant. Mais oui, c'est nul. C'est un peu tristesse quand même. Oh non, il a corsé les toilettes. Il s'est aspergé par l'eau des chiottes. Quel enfer. Rendre propre. Vas-y, nettoie-le. Ah non, bon, bah... Et en plus, farce immonde. Bah ouais, mais il est con parce que je suis sûre et certaine que c'est lui-même qui a piégé les chiottes. Ok, tout est normal. Tout va bien. Et tu vas faire un rapport de police. Oh, ici la police. Comment entendez-vous? Elle doit avoir un fantôme malfaisant de quoi et de... C'est moi, mon soldat, je suis là chez toi, je suis en train de gratter à ta porte. Et salut, tes dragons! Cucu les petits culs, comment allez-vous ce soir? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu, il me semble. C'est DAS, DA2S? Ah bah c'est ça, là. Tant pour moi, je mange. Non, mais pas de souci. Non, mais ça pouvait être ça. Moi, j'y connais. Je sais pas, je l'ai jamais vu écrit en fait. Et 2756 Simflouz. Je pense pas qu'on réaccompagnera au travail maintenant qu'il est ben chef, il ira faire son travail tout seul. Et 2756, c'est pas mal. En tout cas, moi pendant ce temps-là, je vais vous passer une petite page de pub de 30 secondes puisque ça a été demandé. Donc, ben, à tout de suite pour ceux qui ont la pub et les autres, ben, on ne se quitte pas. Quel dommage. Alors, j'ai pas la pub 30 secondes. Elle est où la pub 30 secondes? Il est là. Ouais, je vous ai dit, il a tout réinitialisé, le truc. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je crois qu'on a emmené un éclair, le bruit d'un éclair avec nous. Alors qu'il fait rien ici. Oui, j'avais stoppé un peu les livres Sims car plus la possibilité d'y jouer depuis bientôt un an. Mais là, j'avais besoin de revoir les Sims et ta bonne humeur. Oh là là. Ah oui, c'était frustrant pour toi, je comprends. Je comprends. Eh ben écoute, re-bienvenue, hein. Oh punaise, elle est dans un état, elle. Ah, ah oui, regardez. De la frustration naît le plaisir. Ah oui, enfin, je peux chier. Et vous aussi, vous connaissez cette sensation. Quand vous avez une envie de taré quand ça sort, enfin, vous êtes là. Tu es gâté ce sort refu. Bah ouais. Après, ça veut pas dire que beaucoup de gens les voient non plus. Comment ça, quel dommage, tu veux plus de nous, c'est ça, visage qui pleure. Non, c'est je parlais pour vous, évidemment. C'est dommage pour vous. Ah, c'est la DAS avec 2D. Merguez nous a encore envoyé une petite... voilà. Toi, viens faire de la... nager tranquillement du meurtriste, là. Nos enfants de la génération verte nagent. Le pipi trop longtemps retenu, c'est ça. Ou caca aussi, ça. J'ai pas eu la pub en arrivant, donc j'ai pas participé pour ton futur chatal.
Sarah, fessée. Si tu veux plus qu'il soit effrayé, tu peux acheter la récompense chasseur d'orage avec les points d'inspiration. Ah ouais, oui, c'est vrai, ouais. Oh, c'est pas très très grave en vrai. Vas-y, fais. Comment ça? Attends. Ah oui, est-ce que je clique sur elle? Fais des longueurs. C'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral. C'est bonbon. C'est bonbon. Il reste combien de générations? 2. Il y a la verte là, qui est ici du coup, et la dernière, ce sera la bleue. Et puis on aura fini le Not So Berry. En même temps, ça fait 2 ans qu'on est dessus. Hein. Donc il va falloir un petit peu y aller rapidement. Hein. Quand même! Pas de soucis, Sarah, c'est pas toi, hein. C'est au hasard, hein. C'est pas, on sait pas qui, pourquoi, il y en a qui l'ont, pourquoi il y en a qui l'ont pas. Je sais, c'est un gameplay incroyable. Voir des enfants nager dans la piscine. Parce que vous, vous y êtes pas. Comment elle va? Comment elle s'appelle déjà? Pomme. Pomme, 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 pomme. On va focus sur Pomme. Pourquoi? Parce que, pourquoi pas aussi. Pomme! Ah, sueur et bonheur. Est-ce qu'il aime le fitness? Est-ce que le Hulk aime le fitness? Ça me paraît évident. Mais c'est vous qui choisissez. Une exclue pour savoir ce qui arrive après le NSB. J'ai une idée de challenge, un sort de challenge que on pourrait faire en live. Que du coup c'est moi qui aurais. Mais faut que j'ai plein de choses que je dois finaliser. Salut Maïna, comment vas-tu? Tu l'as commencé Not So Berry? Ah ben on l'a commencé il y a 2 ans pratiquement, donc ouais. Oui il aime ça, ça me paraît logique pour le Hulk, mais bon. On sait jamais, hein, peut-être que vous avez pas envie hein, qu'il aime ça. Mais ouais, après Not So Berry, ben. Je dis pas, peut-être qu'on essaiera de faire la suite. Faudrait que je lise un petit peu pour voir si c'est intéressant, mais pas tout de suite. Je pense qu'on va faire une pause dans le Not So s'il faut qu'on continue et tout, parce que en vrai, ça, voilà, ça fait un moment qu'on est dessus déjà quand même. Un challenge campagne fermier. Bah moi j'ai déjà fait la ferme avec avec le Lord and Lady. J'ai commencé à écrire, il faut que je me dépêche, j'essaie de faire ça pour ce week-end, comme ça vous l'aurez la semaine prochaine, les règles de la génération éleveur, qui sera une génération bonus. Donc, don't worry, si vous n'avez pas via la campagne, vous serez pas obligé de la faire, mais si vous n'avez pas via la campagne, vous ne la faites pas, parce que ce sera essentiellement basé sur via la campagne, donc forcément... En vrai, elle va ressembler énormément... à la génération fermier. Ce sera entre fermier et artisan. Donc ce sera une génération bonus. Vous pouvez la faire, vous pouvez ne pas la faire. Ça peut être sympa. Et puis bon ben après... disons que ce sera vraiment spécialement éleveur. Donc c'est-à-dire que les choses que je n'ai pas inclus qui incluent les animaux, ce sera là-dedans. Ah oui, j'ai d'autres projets. Bah, on a aussi pas mal de projets avec les lives. Hein. On doit toujours faire le bachelor. Ce serait cool de s'y mettre à la rentrée. J'ai des challenges qui sont en attente aussi. Tout ça. J'ai plein de choses dans ma tête. Hein. Il faudrait que... Sérieusement, je m'y mette, en fait. Quand j'ai fini la NSV, je voulais faire la suite, mais j'ai pas eu le courage. Ouais, c'est pour ça, là, on va voir, en vrai. Ah, carrément, elle est partie dormir. Ouais, ils ont tous une hygiène un peu déplorable, là, les gosses. Hein. Bah, tu vas te laver, après tu iras manger. Toi, tu vas sûrement pas dormir non plus. Bah, écoute, Ginette, tu feras tes devoirs. Parce qu'il faut le faire. Non! Non.
Non, non, non. Encore si ton ours, il était vert. J'aurais dit pourquoi pas. Il est pas vert, bah tu mets pas l'ours. Point barre. Suffit. Bah, tu sais, tu peux débarrasser, tu feras tes devoirs après, mon petit. Ouais, elle va s'occuper. Bon, je suis un peu plus focus sur la génération verte, c'est normal. Oui, je voulais regarder depuis tout à l'heure. Pom, 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 pom. Pom, 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 elle a vieilli dans 2 jours encore. On a encore un peu de temps devant nous. Ah oui, le bachelor. T'as pas encore le pack à la ferme. C'est normal, il est pas encore sorti, Clara. Il sort le 22 juillet. Donc t'as encore un peu de temps devant toi pour l'avoir. On dirait à GG Sims avec sa coiffure verte. Mais... Et non, ce n'est que une potentielle héritière de la génération verte. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait là? Pollo à la brasa. Vous savez, j'ai pas mangé. D'habitude, je mange avant le live. Là, j'ai pas encore mangé. J'avais pas spécialement faim. Donc. Bah, ça me donne pas trop faim. J'ai mangé Burger King ce midi, ça va. Faut pas me plaindre. Ça fait 2 semaines que j'ai pas joué, ça me manque. Ah, je comprends. En vrai, je comprends. En même temps, mon soldat, on peut pas partir en vacances et jouer aux Sims, hein, faut choisir. Nous, tu vois, on a choisi de jouer aux Sims. In a room. Va jeter ça, mon piquet, s'il te plaît. T'as fait tes devoirs, le Hulk? Ouais, tu vas faire du travail supplémentaire, toi aussi. Ah bah, ok. Bon. Et toi, tu fais tes devoirs aussi, Jacqueline. Allez. Ah bah, ils sont déjà partis se coucher, les vieux. Enfin, les vieux. Il va vieillir dans combien de temps, Toya? Ah, mon Alcarave carburé, il vieillit que dans 11 jours. Ça, c'est un homme, hein, donc il a pas de jour bonus dû aux grossesses. Hein. On a carburé. Oh là là. C'était pas le 25. C'était pas le 25, quoi. Si tu parles de vie à la campagne, ça a toujours été le 22 juillet. Faut que j'écrive mon challenge en même temps que j'ai le test, faut que je me lance... Ah oui, c'est vrai, t'en avais parlé, Alex. Vivement les vacances. Bah, écoute. Pas de nouveau Hunger Games en vue. Eh bah, j'y ai repensé, genre, hier soir. Celui des Barbies... Des Barbies, c'est des princesses, n'importe quoi. Il a eu lieu cette année, on est d'accord. Hein, j'avais dit un par an, hein, donc ce sera pas avant l'année prochaine. Mais oui, mais en fait, il faut que je trouve le thème. Et il faut que ce soit un thème que je connaisse un petit peu quand même. J'avoue, les princesses Disney, je les connais pas trop. Donc j'ai pris les classiques. Celles que tout le monde un peu connaît. Après, il y en a dit, ouais, il manque machin, il manque truc. Je me dis, mais attends, moi je les connais même pas. Donc ouais, j'ai choisi que c'est celles que je connaissais à peu près. Hein. Oh là là. Il y en a que 8, hein, maxi. Hein. Je peux pas faire plus. Hein, donc. Je suis très heureuse d'être partie en Corse quand même. Bah. Ah, moi, Sonna. J'aimerais bien être en Corse aussi. Eh, salut Martial, comment vas-tu beau gosse? Comment était ta journée? T'aimes Twitch avec nous? Non, dans ce cas-là, il faudrait prendre des streamers. Mais ça a pas parlé sur YouTube. Il y en a, ils connaissent pas. Hein. Ils connaissent pas les streamers Twitch, tu vois. Hunger Games, c'est Side Friends. Alors, du coup, ils sont 6. Ça voudrait dire qu'il manquerait 2. On pourrait rajouter le mari de Phoebe. On pourrait mettre Gunther, en vrai. On pourrait mettre Gunther. Après, je sais, vous allez me proposer 15 000 thèmes, genre Harry Potter. Harry Potter, je connais pas du tout. Enfin, je connais vite fait l'univers, je maîtrise pas du tout. Et en fait, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'il... Moi, dans ma tête, c'est comme ça que je le vois. Ils veulent se battre pour quelque chose. Et Game of Thrones, c'était pour le trône de fer, c'était pour diriger les royaumes, c'était comme dans la série en fait. J'allais dire Barbie encore une fois, les princesses, c'était pour se marier avec le prince. Il faut qu'il y ait un thème, il faut qu'il y ait un but, parce qu'ils peuvent pas se battre les uns contre les autres, pour rien. Et Seigneur des Anneaux, ronde 2 des princesses. Ah, peut-être pas tout de suite, mais ouais, Seigneur des Anneaux, j'aimais bien l'idée parce que y a l'anneau. Soit pour prendre l'anneau, soit pour le prendre et le détruire. Ça dépendra qui gagne, en fait. Après, je sais pas comment, mais Gollum, ça pourrait tout à fait faire peur. Après, que les hobbits sont censés être petits, mais là, ils le seront pas. Ça serait bizarre. Mais ça pourrait être cool. En vrai, le Seigneur des Anneaux, je pense que ce serait peut-être le thème qui me botterait un peu plus. Mon PC bouge. Bougie à mort. Bug à mort, j'imagine.
Que je change le pauvre. Mais non, Hunger Games, c'est les participants du Bachelor et la survivante. Et pour Iowa. Non, non, ce sera un vrai Bachelor pour Iowa. Fatigante. Janice et Gunther. J'y ai pensé. C'est soit Janice et Gunther, soit Mike et Gunther. Pour pécho le gros tout nu. Ou prendre son appart. Ou prendre son appartement. Comme Ross l'a fait. Elle va te coucher, va Jacqueline. Et toi aussi, Dieu. Après, si YouTube a des idées... Enfin, pas YouTube en tant que même, en tant que tel, mais... ceux qui regardent évidemment la rediff sur YouTube, n'hésitez pas à soumettre vos idées. Mais je sais que j'ai déjà eu des dizaines de commentaires hein, sur les vidéos en question. Le principal qui revenait, c'était Harry Potter. Mais malheureusement, je ne connais pas. Alors, on m'a sorti, oui, pour se battre pour une fille, je sais pas quoi. Genre, bon, je connais pas du tout les meufs, je connais pas en fait. 4h du matin. Non, meuf, tu dors, allez, vas-y. Où il y avait, je sais plus, Star Wars. Star Wars, pareil, je m'y connais pas assez. T'as jamais vu Seigneur des Anneaux ? Alex ! On va faire ton éducation. Le gros tout nu s'est acheté une nouvelle botte. Deux nouvelles bottes. Ouais, tu peux commencer, t'as les trois Hobbits sur Netflix. Donc c'est le préquel au Seigneur des Anneaux. Tu comprendras mieux. 5h du matin. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas nettoyer, c'est à ta femme. Enfin, ta copine. Ils sont pas mariés. Puis pourquoi tu te lèves à 5h du matin? Va faire une sieste avec paresse. Qu'est-ce que tu fais? Dors. Oh, mais c'est pas vrai! Ah, bah voilà. Récure la bille noire, t'as raison. Oh, je laisse vivre leur vie. Ah merde! Bah, jette ça! C'est pas accompagné. Ça, ça se lève. Ça va tous à l'école parce qu'il est déjà tard. Oh, la journée va être très rapide. Et c'est pas plus mal comme ça. On fait grandir les gamins plus vite. Non, on s'en fout des bourses. Qui c'est qui est là? Comment? Oh merde, j'avais oublié qu'on avait on avait demandé quelqu'un pour faire le ménage. Mais on a une copine maintenant. Impressionner le patron, mais c'est lui le patron. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Alors, est-ce qu'on fait des heures supplémentaires ou on s'occupe d'une tâche secondaire pour Totoyen? Harry Potter, ça pourrait être à la limite de savoir qui sera le prochain directeur de Poudlard. Ouais. My precious. Gollum. Gollum. Stupide en pleine chauffe-le. J'ai jamais vu non plus Seigneur des Anneaux, Game of Thrones et tous les mêmes genres de films car j'aime pas trop. Oui, après, si c'est pas ton genre, moi, c'est vraiment ce que je préfère au monde médiéval fantastique. Donc oui, donc forcément je kiffe. Alors, est-ce qu'on fait les tâches secondaires et des heures supplémentaires? Des heures supérieures, n'importe quoi. Ou faire des heures secondaires et d'une tâche supplémentaire? Nous avons une tâche secondaire, deux heures sup. Tâche secondaire, c'est trois secondaires, deux heures sup. On est 3 sur 3, 4, 4 contre 4. Attention, qui va trancher dans le jambon? Hey, salut Looper, comment vas-tu? Ce soir, bébé Rexa. Oui? Bah, pas chez moi. Prochaine personne qui dit, je valide. Tâche supérieure, allez, tâche supérieure. Bah, bon, c'est, elle me troll, donc non. Bon, je m'en fous, je clique au pif. Voilà, je sais pas ce que j'ai cliqué. Toya repousse ses limites. Gain de performance petit, gain de performance petit, gain de performance petit.
trop tard, Marina. Par contre, t'as vu Kaamelott. Ah, après, ça reste de l'humour. Après, il n'y a pas vraiment de fantastique, en vrai. Parce que c'est pas vraiment, vraiment... Toi, arrête avec ton ours, je te jure. Je vais te faire empaler dedans, tu vas voir. Va te laver et va te t'amuser. Toi, tu vas être amusé tout court. Et toi... Non, c'est lui, c'est le Hulk. Toi, va manger. Oh là là, quelle belle maison. Bah oui, c'est moi qui l'ai faite. Hein, pour votre père. Elle est cute, hein, quand même. Hein. Elle est cute, la petite. Bah, trop tard. Tu sais, t'as mis du temps, tu vas courir pour te vider l'esprit. Ça te fera les pieds. Regardez-moi ce fessard de qualité, quand même. Elle est pas mal, la petite. Beau boss. Regardez-moi ça. Belle bête, hein. Belle bête après... ça va, Looper, merci. Ça reste médiéval, surtout aimé pour l'humour. Ah non, mais l'humour de Kaamelott est extraordinaire. D'ailleurs, au cinéma, sort le premier volet Kaamelott. Au cinéma, un premier film, s'il y en aura trois. Il sort le 21 juillet. Voilà. Elle a un boule qui chamboule de qualité, c'est ça. Elle est belle. Ah oui, hein, on t'a vu ça. On l'a bien refaite, Martial. Tout à l'heure, on l'a relookée. Bon, là, elle est un petit peu bronzée, hein. Mais elle est mignonne, hein. Elle est très choupie. Elle a du bon potentiel, la petite. Ouais, toi, t'es moche. Alors, sinon... Opaline, est-ce que tu vas rencontrer de beaux jeunes hommes? Tu peux pas engueuler ta sœur? Tu peux pas engueuler ta sœur? Si, éducation, métro-lit. Tant pis. Et merci Léonie pour ton follow, bienvenue à toi. J'ai jamais croché avec cette série, ça m'a jamais fait rire. Oh, sérieux? Bon, après, vous avez le droit, hein. Vous avez le droit de pas aimer, hein. Oh, hé, tu te calmes, ouais, je t'ai dit arrêter, là. Tu nettoies? Petite conne. Putain, je lui ai dit d'aller se laver, elle pue la mort. Regardez, elle devait se laver et se distraire. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a foutu de la peinture partout, c'est bouffonne. Une pomme pourrie, c'est une pomme pourrie. T'as loupé l'épisode de la semaine dernière? Bah écoute, on a fini la génération pêche. Donc maintenant, on attend tranquillement que nos petits enfants de la génération verte grandissent. Tu veux dire bonjour à papa? T'as entendu que papa était là? Coucou papa! Coucou papa! Coucou papa! Coucou papa! Coucou! Je suis là! Dis, je veux une fessée, j'ai fait que des conneries encore, papa. Papa. Oui, je vais la montrer. Bah là, elle est... là, elle est en train de... Bon, là, c'est pas son meilleur... Son meilleur profil, hein. On va attendre qu'elle soit debout. On va casser les pieds, toi. Mais il glisse, il tient plus, il est trop lourd. Tu es trop lourd. Tu es un gros tas. Tu es comme maman. Tu es un gros tas comme maman. Viens faire câlinou à papa. Tiens, va faire câlinou à papa. Regarde là. Jamie, là. Ils sont fous. Viens faire câlin. Va faire câlin, papa. Oh, câlin, papa. Câlin. Petit con. Ouais, t'es un petit con. Ah bah ça va. Elle était pas autant, mais elle est choupette maintenant. Elle est mignonne. Qu'est-ce qu'il fait? Mais rentre à la maison, toi. D'où t'es parti? Où, là? N'importe quoi. Elle se distrait à fond. Lui aussi. Il joue à... Ah, le garçon, il joue à la poupée. Oh. 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 Oh.
elle aime bien dans la pistouche, elle. Alors. Voilà. On va pouvoir vous la montrer de près. Voilà, madame. Attendez, parce que là, je suis un peu handicapée du bras parce que j'ai un chaton. Ouais. Bah oui, bien sûr. Connasse. Voilà. Voilà. Et le profil. Voilà. C'est plutôt pas mal. Hein? Ah bah. Je le montre quand Sarah n'est plus là, bien sûr. Avec magnifique bronzage. Ouais. Avec toutes les traces et tout. C'est immonde! Prends des raisons. Alors, toi, tu veux, ton aspiration, c'est quoi? S'entraîner à programmer pendant 5 heures, jouer aux jeux vidéo pendant 5 heures. Très bien. Tu vas manger. Ensuite, tu vas faire tes devoirs. Et ensuite, tu vas commencer à programmer. Parce que, de toute façon, il va falloir. Parce que c'est des geeks. Au moins, on commence son aspiration, là. C'est vrai que je traîne, j'oublie les objectifs, moi. Salut, Rivergeas, comment vas-tu? Celle-là, c'est la première, c'est Opaline. Ça change pas. Une fois adulte, il joue toujours avec des poupées. C'est pas faux. Tu veux du bidou? Quoi? Regardez-moi ça comme il est. Il est pas possible, hein? Hein? Tu arrêtes un peu? C'est gambette à l'air. Oh mais. Merguez, on s'en occupe même plus de lui, mais t'inquiète que lui il s'occupe bien. Merguez, il se gère bien, hein, il se gère tout seul. Il survit à son frère. Feu, Roger. Ça va voir ta mère. Non, c'est même pas ta mère. Qu'est-ce que je dis comme connerie, moi? C'est pas sa mère. Sa belle-mère. C'est pire. C'est la... C'est la méchante belle-mère dans les Disney. Dans la Disney. Cette tête. Donc je le redis pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure. Demain, 21h arrive. C'est le début d'une flopée de vidéos sur Vie à la campagne. J'espère que vous serez au taquet pour regarder les vidéos, les liker, les commenter et surtout les partager sur vos réseaux sociaux si vous en avez. N'hésitez pas, hein, que ce soit sur Twitter, sur Facebook, sur il y a quoi d'autre, Instagram également. Justement, je vais essayer de faire des posts exprès que vous pourrez partager. Les stories, normalement ça se partage pas, mais les posts, oui. En tout cas, j'arrive pas à partager les stories, moi perso, mais n'hésitez pas, ou faites une capture d'écran pour le repartager de votre côté, tout ça, ça sera cool, ce sera super cool de votre part. Donc on va commencer avec le classique, hein, demain. Très classique de chez classique, des choses que je ne fais pas du tout comme ça, un bel étalage pelouse, comme vous les aimez. Et un vieux CS pourri, comme vous les aimez également. Voilà. Ah non, je me suis pas cassé le cul, à faire autre chose. Ça, c'est fini, j'ai compris que ça plaisait pas, donc moi j'ai pas perdu mon temps là-dessus. Arrête de boire, tu vas pisser! Oh, quel idiot. Mais qu'est-ce qu'ils ont à boire, ces gosses? C'est Sims. D'accord, il lui chantait une chanson d'Amur. Raconte une histoire populaire, raconte une histoire délicieuse, complimente son apparence. Et embrasse-la. Embrasse-la, idiot! Tu vois beaucoup mieux que des mots. Jamie. Na, on mord pas, maman. Petit con. Tu peux dire ce que tu en penses de la donne. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'ai vraiment kiffé. Il y a plein... Et encore, j'ai pas eu le temps de tout voir dans le détail et tout. Donc c'est assez cool. Qu'est-ce qu'ils font? Au témoin d'un doute? J'ai pas dit faire crac crac. Je l'ai dit ou je l'ai pas dit?
c'était complimenter l'apparence et embrasser. Je leur ai pas demandé de faire crac-crac. Si ? T'inquiète, je vais au palais juste avant de partir. Elle est jolie, en plus, des beaux yeux. C'est les beaux yeux de sa maman, je crois. Oui, parce que lui, il a les yeux plus clairs. Mais j'ai jamais eu ça, moi. Mes Sims, ils sont jamais allés faire crac-crac de leur plein gré. Ils sont re en flic. Et puis hop, ça y est, ils ont fait leur petite affaire et ils repartent de leur côté. Moi, je me souviens pas avoir dit qu'ils devaient faire crac-crac, mais bon. Le jeu a ses propres règles. Ça, j'avais bien compris. Ils sont indépendants. Mais surtout que ça m'est jamais arrivé, quoi. RT et like un max. C'est quoi que tu... Pourquoi photo? Ah, mais oui! En plus, c'est vrai. C'est vrai, c'est le tweet sur Lord Ennedi du jour. N'hésitez pas à également le RT, quoi. En plus, là, j'adore la miniature. Je me suis éclatée avec la miniature. Elle est trop belle. Quand je serai adulte, voilà, contrôle des machins. Va pisser, Jacqueline. Mais d'où tu bois de l'eau? Tu vas manger, oui. Oui, c'est pas la mère avec que j'ai oublié qu'elle cruche. Non, non, oui, c'est la belle-maman. Enfin, c'est la belle... Même s'ils sont pas mariés, ça reste la belle-mère, quoi. Donc il faut qu'il refasse sa vie. Toya. Bah, le chat a été méchant avec la femme de Toya. Il a été triste. Hein. Ce fut une perte quand même substantielle. Mais bon, voilà. Ce qui est fait, n'est plus. Je me suis dit qu'il a changé de boulot sans me demander, rien compris. Ah ouais, mais ça fait peur. J'espère qu'il n'y a pas un bébé. Oui. Dès qu'elle mange, je te le dirai. Petite ASMR avec les ronrons du chat. Je vais vraiment finir par faire une vidéo. Hein. Juste, on le voit sur moi, ou je sais pas, je le prends comme ça dans les bras, et il fait... Et moi, je suis là. Ah, mais arrêtez de me casser tout, là. Ah, t'iras essuyer, dis. T'as foutu de l'eau partout. Elle a tout mouillé, la coquine. T'es pas en cloque, hein, tu me rassures, toi. Non, ça a l'air d'aller. Ouais, bah écoute... Depuis quand ils font des crac-crac sans me demander, là? Attends, hey, mais toi, tu devais faire de la programmation? Du jeu vidéo? Mais elle a rien fait du tout. Mais qui... Oh. Bah, il est trop tard maintenant, Jacqueline, hein? Espèce de Georgette à la manque. Non, papa... Papa va... Pour aller vite, ça va vite, hein, maintenant, la vitesse 3, la vache. Tout le monde y dort. On enregistre. Étant très angolaire, j'en ai eu qui m'ont fait un bébé tout seul une fois. Mais sérieux? J'avoue, j'avais espéré quand j'ai vu la rediff que le chat, alors qu'il avait carrière d'influenceur, j'ai envie de la tarter à devoir regagner mes abonnés. Ma pauvre. Oui, pas tout le chat qui avait voté, ça s'est joué à pas grand chose. Hein. Mais bon, ça a été fait quand même, c'est la majorité qui a quand même voté. Ça va, Jamie? Salut Lali Gaga, comment vas-tu? On va repasser en vitesse 3. Oui. Fais un câlin à maman après avoir fait des conneries. T'as raison. Maman, elle est trop bonne, trop conne avec toi, hein, tu le sais ça. Grimpe plus là parce que tu tiens plus.
Je veux plus te coincer dans mon soutif. Voilà. T'es trop grand. Tu es trop grand comme petit chaton. Bah oui. C'est fini, hein. Tu pèses plus 3 grammes, hein. Chez le veto, tu faisais 800 quelque chose. Il faudrait que je reprenne rendez-vous, là. On est quoi? On est mercredi? Faudrait que je vois si je peux y aller samedi. Pour le rappel de vaccin. Eh oui. Et pour tes puces. S'ils ont des puces, je m'en suis toujours pas débarrassée. Oh là là, est-ce qu'elle va se faire bouffer elle aussi? Ah, me donne une friandise et joue avec. Ah, mettre de la nourriture. Non, il en veut pas. Va-t-elle mourir, elle aussi, de la maladie du rongeur? Est-ce que c'est son projet secret à Merguez de tuer tous les Sims de ce jeu? Vous le saurez juste après la pub. Oh, y a pas de pub, mais c'est comme si. J'ai plus rien dans mon verre! Maïna, je peux pas! Attends, je vais chercher de l'eau. Nubu? Attention. Ah non, elle s'est pas fait bouffer! Ça fait une semaine que t'étais pas venue? Bah écoute, oui, lui grandit un petit peu tous les jours, hein. Regarde-moi ce gros machin. Oh, mais t'es chiant! Ah. Parce qu'il pousse, il est là, il met sa tête là, hein. Donc c'est chiant. Tu animes le chat pendant que je suis pas là? Ah bah non, parce qu'il faut pas que je le tienne. Hein? Hein? Espèce de Lannister, là. Petit con de Lannister. Arrête! Arrête! Fais pas ton rebelle. Je vais aller chercher de l'eau. Aïe, ouille. Viens, je te mets là. Je sais pas si les gens vont te voir, si. J'arrive. Profiter pour passer. Ah, j'ai mis de l'eau partout. Le petit bisou à Tyrion, évidemment. Ah bah quel gameplay incroyable. Focusons un peu sur Pomme. Pomme, 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 dapi. Pomme, 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 pomme. Et à la tienne, Maïna. Ah, c'est seulement quand c'est sale. Ah bah j'aurais pris un truc. Mais juste de remarquer que la mère n'était pas la même. C'est pour ça que j'ai vu l'image de la mère avec un truc brillant. C'est vrai que c'est thriller. Bon, Jeannette, là, tu te laisses, s'il te plaît. Ouais. Ah, incroyable. T'as vu Toya, tes enfants comme ils sont beaux et grands. C'est que ça y est, son chanteur préféré. Oui, parce que là, tu peux pas trop. Puis l'autre, elle se barre. Pff, ouais, c'est ça, casse-toi. Pomme. C'est 0 jour. On est à 0 jour pour Pomme. Pom, pom, pom. Merguez est jaloux et tente d'éradiquer toutes celles qui s'approchent de Toya. C'est vrai. C'est peut-être ça parce que comme Toya il s'est occupé de lui et... Avant il y avait Saucisse avant que ce soit Merguez, mais Roger était déjà là. Donc Toya il était enfant. Hein. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être une histoire d'amour secrète entre les hamsters et Toya. Sauf que Toya, bah... Mais ils s'en foutent des MCR. Elle est morte de quoi? Empoisonnement de la maladie du hamster en fait. Elle s'est fait mordre. Est-ce qu'il aime la malice? Notre Toya national.
En gros, elle s'est fait mordre, elle a commencé à contracter la maladie, tout ça, et j'ai fait voter le chat pour savoir si on l'a sauvée ou pas. Et ben, la majorité, ça s'est joué à peu, a préféré qu'elle meure. Voilà, donc elle est morte. Elle nous avait pondu les gosses qu'on voulait, écoutez, il était temps. Elle n'aime pas la malice. 100% non pour l'instant. Ah, petit sondage. Il y a un petit sondage qui vient de me pomper. N'hésitez pas à voter dans le sondage. N'hésitez pas non plus à refresh si vous ne le voyez pas apparaître dans le chat. Bon, je pense que c'est un 100% non, mais peut-être qu'il y a des petits timides dans le chat qui ont envie de dire oui. Oh, comme vous êtes mignons, mes loulous. Ils sont à deux dans leur brochure. Attendez, je vais essayer de prendre une photo. Oula, ça va pas tarder à faire de la bagarre, ça. C'est mignon! On dirait qu'il joue. Enfin, pour l'instant, c'est pas méchant. Ah si, Tyrion, il est en mode joueur, là. Oh non, c'est tout flou! Oh là là. Vous pouvez regarder. Vous voyez que dalle. Voilà, Tyrion et Jamie. Titi, il est en mode joueur, là. Donc ça va, il veut jouer. Elles sont fous, elles sont nulles à chier, mes photos, wesh. C'est quoi ce délire? Et elles étaient un non, ils n'aiment pas la malice. Et c'est donc pas un 100%. C'est quoi le sondage? Bah, c'était pour la... ce que je vous ai demandé sur le fitness. Le Hulk part à l'école, Jenny part travailler, et ça va être l'heure pour Toto. Qu'est-ce qu'il fait? Jouer dedans, tu vas rien jouer dedans. Mais alors? Oh, ça y est, je crois que Jamie il est en mode super vénère. Super excited. I'm so excited! And I just can't hide it! Ouais. I don't want to lose control, but I think I like it! C'est du Jamie tout craché. Et c'est là que tu vas me dire qu'il bosse pas, c'est ça? On n'accompagne pas. Vas-y Toto! Vas-y Tayaya! Vas-y Toto ya! Waouh! Beau gosse! Bah du coup j'ai pas voté. Bah ouais, note améliorée. Allez, on va réviser beaucoup. Oh, on va l'ignorer. Ça n'arrête pas de popper dans tous les sens. C'est le bordel, c'est... vous inquiétez pas. Il va finir dans... Attendez. Je vais rebouger le truc du son, ce chant qui va tout renverser. Encore une fois. Oh, mon petit toun. Moi, mon petit toun. Titou, j'aurais pu le choper, mais je préfère le laisser où il était. De toute façon, il ne serait pas resté. Vous l'aurez vu 3 secondes et demie. C'est pas intéressant. Hier, j'ai eu un contrat de décoration d'intérieur pour faire tous les tâches, rez-de-chaussée. J'ai presque rien mis comme déco. Les clients contents, j'ai entendu 28 000. Fais gaffe, Sarah, tu vas avoir un ban, hein, parce que... Ah ! Phoebe, elle est là, elle défonce à la maison qui aurait pu être la sienne. Mais non. Le chat n'a pas voulu de toi. Ma pauvre. Non, tu vas avoir un ban, Sarah, parce que là, tu es en train de te vanter, hein, alors que moi, je passe des heures à redécorer et que je suis pas payée. Je plaisante, évidemment. Encore la pub ? Wesh. Si à la fin de cela, je ne suis pas riche, je ne comprends pas. Eh bien, écoutez, c'est parti pour le troisième volet des pubs. N'hésitez pas à dire dans le chat si vous en avez vu une. Au moins une, puisque comme ça, vous allez contribuer à mon incroyable richesse. On a le même bide. Et c'est tout de suite, merci, au revoir. À tout de suite, adieu, à jamais. Tu savais pas? Tu savais pas quoi, Martial? Pomme a rencontré Jules. Et rencontré Vincent.
Mais voilà, ils sont tous rentrés de l'école, c'est rapide, hein. Alors toi, tu vas aller regarder un film. Voilà, tu vas regarder la télé. Non, bah non, mais non, je suis bête comme mes pieds. Je suis bête comme tu vois. Tu vas débloquer, je sais pas si c'est débloqué. Et tu vas jouer à Vive les Sims, parce que Vive les Sims, c'est la vie toi-même, tu sais. Toi, tu vas bien. Et ben, si tu vas mine. Parce que quand tu vas bien, si tu vas mine. Je sais plus, moi. Ça. Mais, non, tu touches pas à la télé. Tu vas prendre des restes. Bon, tu t'actives, Jacqueline! Je t'ai dit de jouer, là! Tu m'énerves! Ok, il y a encore un bug avec les ordinateurs. T'as eu de la pub, Martial? Oh, super pub PICIC, merci beaucoup, petite dragon. Coco, tu sors. Plus voiture électrique, c'est pas pour moi, je suis piétonne. Ah, merde. C'est parce que t'es pas client de chez la CIC, sinon tu aurais beaucoup plus d'argent, c'est pour ça. Juste pour dire que j'ai pas compris pourquoi j'ai eu autant, parce qu'à la base, c'était un contrat de 2000. Bah, peut-être que t'as volé les meubles. 666 coupons, oui, c'est pas beaucoup, ça. Pas de tube, Twitch, Ombra, Queen, tu t'en vas aussi. Allez, c'est fini. Pas juste, j'en ai deux tout à l'heure. Ah, ça va alors, Coco, tu peux rester. La connasse. Oh non, les squats. Ah, oh, ça faisait longtemps. Ah, oh, ça faisait longtemps, les squats. Eh oh, ça suffit derrière, là. Vous voulez que je fasse des squats alors je vais me faire agresser par les chats? Ça fait tellement longtemps que je sais que j'en ai jamais fait depuis que Jamie est à la maison. Ça fait 2 mois qu'il est là. Ça fait au moins 2 mois que j'ai pas fait de squat. Bon. C'est parti alors. C'est les couilles, hein. Hein, Jamie? C'est les couilles. Oh oui. Bon, bah c'est parti. Alors bien sûr, vous me voyez pas faire entièrement les squats. Hein. Tout le monde se lève pour Danette. Tout le monde écarte les jambes de la valeur de leur bassin. On relève les petits orteils vers le plafond. Parce que comme ça, ils disent bonjour. Vraiment, Tito n'est pas loin, mais... Et c'est parti. 10 squats. Et 1. Et 2. Et 3. Et 4. Et 5. Oh, fou. Et 6. Oh, ça fait mal. Et 7. Oh, ça fait longtemps que ça... 8. 9. Et 10. Et 11. Allez, vas-y, c'est bon, c'est bon. Ah. Oh. 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 Je vais avoir une crise cardiaque avec vos conneries. Oh la vache, ça faisait longtemps. Vous êtes tout seul, chérie, moi je reste dans mon lit à bouffer. Ah, tu manges quoi, Alex? T'es pas triste? La mère te manque pas? Ah, j'en peux plus. Va nous faire le sport de la semaine, je compatis. 10 en plus, c'est beaucoup. Bah non, ça pourrait être pire. Ah, j'en peux plus. Je suis essoufflée. Non, c'est une fois par stream les squats. Quand même, vous déconnez. Pardon. La vie de ma mère, ça me manque. Bah, tu m'étonnes. Ta mère ou la mère? Ou ta mère à la mère? Ou la mère de ta mère? La mère avec ta mère. À toi, ya. Oh,
Oh la vache. On va être tellement spammé avec les trucs qui se passent, les festivals et tout le Delbord là. Qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi elle est pas bien? C'est bon, t'es remonté ton à bloc là? Je vais vivre les Sims. Elle a joué pendant 2 heures. Allez, niveau 2 de vue en vidéo, c'est bien. Tu vas aller manger maintenant, Ginette. Oh! Bon alors, plusieurs choses. Lui, il a passé l'aspirateur tout seul comme un grand. C'est très bien. Sauf qu'ici, nous avons une grosse plâtrée de saleté. Et je ne sais pas qui. Alors, on va aller regarder. Parce que Toya, faut quand même que tu te réveilles et que tu fasses encourager les comportements récents. Ça, c'est les bonnes notes, c'est bien. Ça doit être l'autre. Ça doit être la pomme pourrie, là, qui est... Ouais, regarde, la fée. Hey, il a pas vu. Il n'a pas vu, je vais pas me faire engueuler. C'est ça. Tu crois quoi? Déjà, non, je suis pas avec la bonne personne. Hop, éducation. Je ne peux pas. Obligé à faire pipi. Obligé à ranger le bazar. Petite conne. Ça fait beaucoup de mer. Ah bah ça. Ça pourrait être pire, ça pourrait être 11 squats. Bah j'en ai fait 11 en plus. Allez, à la tienne, Wonder Lily. Bravo, Ombre Queen. J'ai fait 25 minutes de rameur ce matin avec le chiot qui me grimpe sur les pieds. Histoire de bien bloquer mes mouvements, du coup, là, je reste assise, t'as bien raison. T'as déjà assez bougé aujourd'hui. J'ai eu un moment de flip, j'ai vu que quelqu'un a fait le challenge que je veux créer. J'étais d'accord, je sais ce que je me rappelle, que même si le fond est identique, l'histoire et la trame du challenge sont totalement différentes. Moi, je cherche un nom pour ce que j'ai écrit pour... bon, c'est pas très incroyable non plus, mais pour la campagne. J'ai pas trouvé de nom sympa. Fait que tu t'hydrates parce que c'est en squat, c'est vrai, tu as raison. Que je reprenne ma respiration avant. Parce que vous me direz, mais c'est rien, mais c'est en fait, je l'ai senti que ça faisait longtemps, quoi. Ça faisait longtemps. Oui. Tu vas faire tes devoirs, toi? Non, non. Et elle est où, pomme pourrie, là? Pomme pourrie, c'est ton anniversaire, c'est bon ou pas? Toujours pas. Pas encore. C'est mon enfant. Hein. Ça fait 2 mois qu'il est sorti du four. Hein. Quand je suis comme ça, je l'entends beaucoup plus au niveau de son ronron. Non, on va faire une vidéo ronron. Content. Mais lui, il pourrait ronronner comme ça pendant des heures. Jusqu'à temps qu'il s'endort. Il ronronne. Oh, mais meuf, tu vas pas te coucher à 20h. Après, tu t'étonnes que t'es debout à 4h du matin. Ah, j'ai les yeux qui grattent. Hein. Tu vas... Bon, déjà, on va le... remplacer. Prendre des restes. Tu vas pisser. Le Hulk, tu viens nettoyer la vaisselle. C'est pas toi qui devais le faire déjà? De toute façon, ils font rien parce que je dors non. Ils font jamais rien de ce que je leur demande, ces saloperies de Sims. Alors bon. Bon, Paline. Je voulais regarder si t'avais des personnes intéressantes dans tes. Vincent Fujita. Jules. Jules Grey. Ah, c'est un descendant de personnages qu'on m'avait partagé à l'époque de Lila. Non, de Nuage. De Pulcote.
que c'est un nom de famille gris. Et gris, c'est. C'est-à-dire que c'était pour nuage. Donc du temps de Pulcott. Oh, la vache, c'est vieux. Hein. Elle a pas fait trop de connaissances. C'est merveilleux. Heureusement que t'as gagné le million avec tout ce que tu remplaces. Ah, en ce moment, c'est fou, hein. Est-ce qu'on peut te refaire des ados, bien sûr. Cette famille est Christian Grey. Non, non, je pense pas. Tu nettoies. La tête qui tourne. C'est pas une excuse. Une excuse cuisine. Encouragé à faire cette voix. C'est bien, il va l'applaudir comme un gros débilard. Allez voir. Wittuni. Ah oui, je voulais voir s'ils avaient... Il est 20... Allez. Elle a plusieurs garçons aussi, hein, quand même. Un petit rouquin dans le lot. Voilà, il y a le père qui est à côté, dit « T'as invité des garçons ? Je vais y mettre mon grain de sel. » Et on dirait qu'il a pris du bide. C'est triste. Alors, attendez, parce qu'il faut qu'on aille voir... Ouf, mon profil, c'est pas ça. Bon. C'est pas un canon de beauté. Je vais être obligée d'avoir besoin de mon deuxième bras, Jamie. Toi, t'en as quatre. Tu devrais savoir ce que c'est. Tu me diras, c'est pas vraiment des bras. Et moi, j'ai aussi des pattes, hein. Mais bon, faire quelque chose avec mes pieds, c'est pas possible. Mais va pas là, alors j'ai ma souris. Non, non, allez, vas-y, bouge de là. Au revoir, les gens. Au revoir. Voir. Tu dis voir. Voir. Non, pas maman. Non, pas maman. Là. Les gens là. Tu vois là, il y a des... Non, là. Là. Regarde là. Tu vois là, il y a des gens là-dedans. Il y a plein de gens là-dedans. Moi, tu sais pas, toi. Oui, salut la cantinade, comment vas-tu? Là. Là. Là, il y a des gens. Allez, zou, file. Oh, pardon, excusez-moi pour le tourné-boulé là. Ouais, il est pas terrible, hein. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, j'ai pas confiance, ça. Qu'est-ce que ça traîne dans la rue à cette heure-ci? C'est que des derniers jeux. Bon, il est pas incroyable. Et lui, il observe, il fait « Alors, fais-moi un peu. » Ouais. Non, et c'est quoi ce garçon-là? D'où il vient? D'où il sort? Ah bah, ta femme est déjà partie se coucher. Bon, il est 22h, allez. Que des poules. Déjà couché à 22h. Bon, il y a pire. Il y a pire. On va pas se cacher, il y a pire. Montre-nous tes pieds pour les follow. Moi, je veux pas. Salut, Ludy, comment vas-tu? Tes cadeaux sont trop grands pour mettre de la peinture partout, si seulement. Une autre se chargée dans la galerie, seule consigne, pas de yeux marron. C'est ça. Adorable ton chat. Oui, de loin. Le chat, il n'y a qu'un mot qui peut la faire venir, miam miam. Je veux dire que j'ai pas fait les 11 squats sous la douche parce que oui... Je vous emmène encore sous la douche. Oh, coquinou! La dernière fois que j'en avais fait, c'était lors du live dans l'enfer, les petits culs, de te demander des squats et des speak English toutes les 3 minutes. C'est une époque révolue, ça. Et ça, c'est cool.
depuis que j'ai limité les gains. Oh, puis en même temps, c'était. En fait, j'ai remarqué que quand il y a des choses nouvelles, vous êtes à fond dessus, vous arrêtez pas de l'utiliser. Mais qu'après, vous vous lassez. Ah, je le savais! Je le savais! I knew it! I knew it! I knew it! Eh ben, tiens, regarde. Oh! Eh ben, tu peux t'en aller, madame. T'as plus rien à foutre chez moi. Ah! Voilà, comme ça, je réhumanise tout. Ouais, parce que j'ai envie d'humaniser tout. Humaniser les sirènes. Voilà. Nana, tu peux t'en aller. Tu seras comme tous les autres Sims, tu mourras de vieillesse. Je ris. Je ris. Tant de cruauté. Bonne nuit Clara, des bisous. Comme te voir en live. Alors je sais plus qu'est-ce que j'ai dit. Sinon bloque la barrière que pour les... Non mais t'inquiète là c'est bon. Mais en fait j'ai plus du tout de vampire maintenant, je suis tranquille. Mais je le sentais pas qu'elle traîne devant comme ça là. C'était sûr. C'était sûr en fait. C'était sûr. Bon le gâteau c'est pas le meilleur repas ma biche. Crois-moi, je sais de quoi je parle. C'est le fou debout elle. Qu'est-ce que tu fous là? Tiens, va passer l'aspirateur. Oh, je suis horrible. Mais non, mais elle aime ça, les soigner. Regardez, il y a même une peluche ici. Niveau de bonheur faible. Ouais. C'est slow. Ok. Du coup, elle a bugué la vampirette. Faut pas. Elle retombera chez sa mère. Alors, oui, ta belle-mère, elle va aller à la douche après, donc toi, tu vas dormir. Au moins que Pomme soit ado. Mais il était là, lui! Mais je l'ai jamais vu arriver. Eh ben dis donc, je vous dis, il y a une fonctionnalité qui va arriver là, sur le jeu de base, et ça va être trop bien pour ce genre de cas. Et moi je vous le dis tout de suite. Et bon, voilà, faudra attendre un petit peu. Parce que là, ben, je l'ai pas. Je l'avais sur l'autre version, mais là je l'ai pas. Tu sais pas quoi faire, femme ménage, c'est ça. Les vampires, ça me fait penser à ton challenge Ugly au tout début avec Gunther. Le pauvre qui s'est fait mordre. Ah, Gunther, c'était le mec de Lorelai. Ah, la vache. Ah, il était tellement mal gaulé, lui. Oh, il nous a fait un gamin, là, le fils. Il était tellement laid. Enfin, les deux, hein, parce que, bon, Lorelai a été mal gaulé et moche aussi. Donc... C'était rigolo, quoi. C'était l'époque. C'était le premier challenge que je créais, donc forcément pas très élaboré à ce moment-là. Avec un nom de merde, hein. Mais c'est la première fois que je me faisais kiffer. Je me suis dit, vas-y, fais un truc dont t'as envie, donc j'ai fait ça. En plus, il nous fait la chansonnette, là. Pas à peine d'aller au Sim Session. Baba, Boussar, Blarbler. Oh bah non! Oh bah nous on était dedans, Jacqueline là! Chante des chansons. Qu'est-ce que tu fais toi là?
Vas-y, on était en plein concert Made in Toya. Faut se casser la gueule, ce nanar. Nanar, t'es un nanar. Regarde, regarde Toya, regarde Toya, regarde Toya, j'ai dit. C'est tout? Hey. Oh, je suis tristesse. Oh là là, c'était mon tout premier challenge. Attends. Non, le premier. Non, c'est. Le premier, c'est le 7 bambins. Bientôt de retour, hein. Ça fait longtemps que j'avais dit que je le ferais sur Twitch. On n'y est toujours pas. Vas-y, on se le fait cet été. Ça vous va? Ouais, on est déjà l'été. On est déjà l'été. J'ai pas encore fini le Legacy. Ah, j'en ai marre. Il y a trop de choses et je stream. Il n'y a pas assez d'heures dans la vie pour faire tout ce qu'on doit faire. Vous comprenez ou pas? Ah, on est samedi. Oh merde. Hé, hey, mon petit gamin. Oh merde, on est samedi. On va voir s'il est tapé. En fait, Toya, il est toujours musclé, mais il a du bide. C'est assez bizarre. On dirait qu'il fait de l'aérophagie, le pauvre. Genre le mec tranquille. Et elle, en petite tenue comme ça, friolante devant les gosses, quoi. Non. Pour cet été. Et bon, j'ai perdu mes cheveux et ma voix. C'est pour ça que je vais faire un remake. Mais le challenge sans abri, c'était le deuxième. Le deuxième challenge. Pourquoi t'as pas été aux toilettes avant, en fait, Jacqueline? Si bichi bo si bich moi. Et titi. Ils sont en train de se regarder dans le jaune des yeux, parce qu'ils ont pas dans les yeux jaunes un peu. Enfin. Jamie, il a les yeux bizarres jaunes. Et en dessous de la table. J'ai vu les 7 bambins et la suite, le papa, on dirait Yo. Hein. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais Ayo est mieux. Et merci Drano ou Docteur Anno. Donc n'hésitez pas à me dire comment je dois dire ton pseudo. Merci beaucoup pour ton follow et bienvenue à toi. Bon alors Michel, tu peux aller bouffer aussi, c'est pas interdit. Le sport, ah oui c'est vrai. Totoya, il va faire des nager tranquillement en étant d'humeur joueuse. Je voulais qu'il fasse des longueurs, mais comme il est feignant, c'est pas trop son kiff. Le Hulk. Toi, t'as mangé? Tu vas les geeker. Ouais, ce soir, je geek. Oh, je suis trop un geeker. Je suis une geekeuse. Tu vas faire des live gaming. Ah, tu vas gaminger sur Sport Incroyable, sur Twitch. Ensuite, le glee. Tu connais tout mon truc par cœur, Sarah. Docteur Anot. D'accord, pas de soucis. Bienvenue à toi. Des fois on sait pas trop comment dire les pseudos. Je croyais qu'elle faisait un câlin à un poussin. Je vais dire mais ils sont pas encore là les poussins. Les poussins n'ont pas poussé. Mais bon ici il n'y a pas de ménage à faire. Ça va, c'est propre. Elle geek. Fait des live gaming.
Ah, tu fais des live gaming. Après, tu feras des live cuisine. Après, tu feras des live... lifestyle. Oh, oh. Je sais même pas si ça existe, des lifestyle. Donc, quand même, je connais pas par cœur. Je viens d'aller vérifier. Non, en vrai, je dois le connaître mieux que toi. Mais en fait, c'est vrai que le sans-abri, comme c'est le deuxième... Mais que, tu vois, il est quand même assez proche. Enfin, il n'y a pas eu... Vu que les 7 bombes, ça a été assez rapide. Ça, j'ai tendance à croire que c'est celui-là le premier, mais en fait, non. Ah, oh, mais c'est un jeu de foot! Quelle horreur. Je capte que maintenant, hein, c'est un jeu de foot. Qu'est-ce qu'ils font? Il se passe quoi, ici? Mais c'est qui? C'est qui, Lucas Leroy? Qui es-tu, monsieur? Ah, mais c'est... Ça doit être son frère. C'est son frangin. Effectivement, c'est pour ça. J'allais dire, mais on le connaît pas, celui-là. Mais c'est normal. C'est le frangin. Je vous quitte les copains, mon lit m'appelle des bisous bons, ok, agent 21, boule, agent 21, boule, agent 21, boule, agent 21, boule, agent 21, boule. Des bisous, mamie Marie. Bonne nuit, mamie Marie. Tu diras bonjour aux poules, mamie Marie. Si les pouces sont là. Hein, les pouces? Les pouces? C'est dans pas de challenge construction que je pourrais faire car j'ai pas d'idée. Non, j'avais lancé il y a 2 ans, facile, un petit challenge House Flipper dans les Sims, avec maison de base. C'était un petit challenge où tu devais prendre télécharger une maison et la refaire. Tu pouvais la retaper en mode jeu de base, mais sans toucher au mur extérieur, laisser les fenêtres, tu peux changer les fenêtres et les portes, mais remettre au même endroit. Pas toucher la barrière. En fait, c'est comme le jeu House Flipper, mais dans les Sims. Tu peux pas bouger certaines choses en Flipper. Et il fallait retaper tout en jeu de base. Mamie, il est 23h. Non, il est 22h52. Ah, tu l'as déjà fait? Ah, merde. Et j'ai pas refait, en vrai. Ça a été la grosse mode l'année dernière. Moi, ouais, comme je ne follow pas, je ne surfe pas sur les vagues pour choper des abonnés. C'est peut-être pas bien, hein. Je devrais peut-être. Mais bon. Non, il se prive pas, hein. Oh, pom 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 pom. Elle est clean. Attends, on va faire l'anniversaire. L'anniversaire, c'est pas celui de ta mère. Ta mère, ta mère. C'est l'anniversaire. Un gâteau et vert pour l'anniversaire. Puis après, on coupera. Non, on aura commencé plus tard que d'habitude parce qu'on a relooké Opalinette. Il y a trop de lumière. Ou alors je suis encore plus blanche que d'habitude. J'hésite. Bah, j'allais dire, il est cassé le four, il manque un morceau. Jacqueline, tu veux bien nous faire un peu à bouffer? Salade de fruits. Ouais, salade de fruits pour un groupe. Histoire que les... Ah bah, il a déjà fini le gâtal. Merveilleux. Tu peux mettre les bougeax. Et comme nos superbes invités auront forcément la dalle, tu vas faire un faux sandwich VLT. En plus. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Il faut qu'il aille dans le frigo, mon dieu. Vas-y, c'est bon. Ça, il y aura de la bouffe. Qu'est-ce qu'elle a? Ah, il est venu. Ah, oh,
bon, lui, t'es bizarre, toi. Qu'est-ce que tu... Pourquoi t'es en petite tenue comme ça, dans une chambre d'enfant, en train de maltraiter ce pauvre nounours, là. Ce pauvre dragon. On va laisser faire ses affaires, hein. Mais toi, je suis désolée pour toi, mais tu es éliminée du game. Alors, tu t'en vas. Il est parti. Pom 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 d'api. Pom 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 pom. Il aime bien le fitness, ce gosse. Il va être baraque comme son père et son grand-père. Tiens, avant que ce soit ton anniversaire, tu peux jouer au docteur pour ton empathie. Tu lui as dit bonjour à lui, hein? Tu lui as dit bonjour. Tu fais quoi, toi? Non. Non. Tu t'assois et t'attends que il va y avoir à bouffer de servi. Et il y va, hein. Rajoute un frigo, putain, ouais, je devrais faire ça en vrai. C'est même pas... On a même pas triché, hein. On a gagné à la loterie, hein. C'est juste ça, hein. Et l'autre, elle tape déjà dans la... Oh, vas-y, ça m'énerve. Prends une portion de salade de fruits, mon gars. C'est bon, il fait ses sandwichs. Mais... Elle va pisser et te... Voilà. Oh, c'est pas possible. Pff, il aura le temps d'organiser l'événement social. Tu me diras, c'était l'heure du midi, donc ouais. Là, tu vas faire le ménage. Et après, on va faire l'anniversaire des pommes. Pom, 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 pom. Le pauvre dragon, il t'a rien fait. Bah ouais. Il y en a, ils aiment pas les dragons. Il met des lentilles et on garde le petit blanc. Après, on s'en fout en vrai de la couleur de cheveux des futurs potentiels copains, copines. Parce que bon, on sait que l'héritage sera de telle couleur de cheveux. Chafouette. Ah, chafouette. Alors, gala de bienfaisance. Oh, Jean-Marie! Comme c'est drôle de te voir! Mariage, mais non, pas mariage. C'est votre anniversaire. C'est pas mariage. Pom 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 pom. Jenny, Toya, le Hulk, Opaline, Madeleine, Cyrine. Écoute, elle, pourquoi pas. Phoebe, Lucas. Et merci beaucoup, Séverine, pour ton follow. Bienvenue à toi. Cathy Petit, et non pas Cathy Perry. On va prendre Manon et Dahlia. Évidemment, c'est Melba et Orion. Shirley, Martial, bien sûr. C'est pas mal. Et on n'a pas la moitié de Dahlia, hein. Je me souviens plus comment elle s'appelle. Mais alors, mais pas du tout. Donc, c'est pas qu'il l'aime pas, c'est qu'on l'a pas dans les invitations et on sait plus à comment elle s'appelle surtout. Il est un peu jeune pour le mariage, pom pom. Bah non, mais je me suis trompette. Waouh, ce ça, il a avec les chaussures violettes. Popopo. Mais qu'ils sont beaux. Regardez comme il est mignon avec son petit papillon. Papillon, papillon de lumière. Toi, tu vas voir avec ta mère. Je vais la prendre, je vais la retourner. Et tu vas voir comme nous, on aime ça. La 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 la. Regardez le gros Toya. Il est tout gros, il est tout bobo. C'est toi, c'est quoi ta couleur préférée, beau frère? Fresh, lumpy. Ah, don't know. Excellent. Oh man.
Eh, hey, salut Dahlia! Comment te va Dahlia? Tu vas bien Dahlia? Toi, arrête de jouer peut-être un peu. Viens dire bonjour à tonton. Enfin, tonton. C'est pas un tonton, mais mon tonton, le gazon. Il fait attention, pas écraser les coccinelles. Tonton, le gazon. Il fait attention, pas écraser les hannetons. Ouh, Phoebe, elle est vénère. Phoebe, elle est vénère parce qu'elle se dit, attends, je vais la croiser, la connasse qui a pris ma place, là? Hein? Je vais la croiser, c'est ce que tu me dis? Je vais lui dégommer la gueule! Salut Melba! T'es grosse Melba! Comme une grosse pêche! Melba! Oh Martial, toujours cette classe! Cette beauté! Cette élégance! Cette fluidité! Invite le chef pour qu'il meure devant la porte! Vous êtes pire que moi. Oh, il est tellement raté ce Sims. Ah, I'm Kesho. Qu'est-ce que c'est fait? Oh, c'est Madeleine. Bah vas-y. Bah te gêne pas surtout hein. Non mais c'est quoi ça? Tu fais ça chez les autres Sims, on se fait virer et d'un seul coup, là, bah tout est normal quoi. Titi, il chasse une mouche. Chaton! Il l'a chopé. Il est trop fort mon chat. Bon, il n'y a pas assez de place sur cette table. Oh, en plus, regardez, elle a son petit gâteau d'anniversaire juste devant elle. Merde, pardon, je vous ai renvoyé sur le chat. Je me suis trompette, j'ai pas appuyé sur la bonne touche. Oh, je suis trop cute, on dirait vraiment une enfant qui attend que tout le monde soit prêt pour faire bon. Ça y est, je peux souffler mes bougies, je peux avoir mes cadeaux. Ah, toujours la même qui se fait attendre à la fête, un charlet. Ouais, mais je suis Buzy, moi. Je suis Buzy Saint-Georges. Tu connais pas Buzy Saint-Georges? Ah bah, je suis Buzy Saint-Georges. Non, je l'ai vu. Je l'ai vu, sa carcasse de roucaisse. Regarde ça. Et là, la carcasse de roucaisse. Oh! Tu as perdu son manteau. Je crois qu'il y a une fausse couche. D'ailleurs, ça fait combien de temps on n'est pas allé voir l'arbre généalogique? Ah, s'ils en ont eu trois. Stéphane, Alexandra et Nathalie. Nathalie! Et elle en a eu deux, Caroline et Charlotte. Ah merde! Sa copine, elle est morte! Oh merde! La pauvrette. Attendez, Pulcote est là! Pulcote. Et Pepper. Voilà, voilà notre arbre généalogique. Pepper, Bordeaux, Pulco, Nuage, Lila, Copper, Chamallow, Toya, et on est là. Bon, il y a plus grand monde, hein, en ascendant. Ça s'en va petit à petit, quoi. Il y a quelques petites têtes roses ici, de Sakura. Des petites têtes rouquines qui viennent de Fox. Ouais, c'est Fox. Voilà. Bon, il y en a sûrement d'autres, mais on les a perdus. Trop éloignés. Attends, faut qu'elle se présente quand même à la famille. Hein.
aucune. Ben non, il est là. Mais ils ont déjà tapé dans le gâteau. Je leur ai fait de la... Oh, c'est pas possible. Il me saoule. C'est elle, là. On parlait de ta mère, là. Elle a bouffé dans le gâteau. Oh, il y a la grosse Shirley aussi, moi ça, là. Fait, attends, il y a du gâteau, tu crois quoi? Tu crois que je vais prendre des fruits? Moi, j'aime pas les fruits, moi, j'aime pas la poire, j'aime pas les ananas. C'est pour ça que je l'aime pas, c'est une connasse. Elle aime rien. Je fais de la bouffe, il tape dans le gâteau, mais sérieusement. Oh, j'en ai marre. Allez, souffle les boujax, pom 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 pom. Avant de fouffer les boujax, j'ai oublié d'aller regarder sur le site pour savoir. Et au cas où ça plante. Que nous allons devoir donner, je ne sais plus. Hein, donc voilà, moi j'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus de rien. Génération verte. Ok, c'est bon. Alors, les paris. Elle est belle ou elle est pas belle? Parce que bon, sa sœur, on a été un petit peu un IVG au bon. Phoebe, elle est pas contente, mais c'est la première étape pour bouffer. Pulco, c'est trop. Mais oui, Pulcote. Ils sont enfin couchés, enfin dans leur lit pour l'instant. Ouais, t'as oublié le somnifère. Ça marche bien. Tu arrives pile pour la révélation. Belle ou pas belle. Happy birthday, pom pom. Happy birthday. Pom pom. Happy birthday. Pom pom d'amour. Happy birthday. Moche, oh, sympa. Direct moche moche. Si je la trouve mignonne, moi, bonsoir. Allez, salut Linette, comment vas-tu? Tu la trouves mignonne, c'est-à-dire? Mais tu sais déjà qu'elle va être mignonne? Non, on sait pas, regarde, je cache, c'est censuré. On va monter tout doucement. Ah, attends, je suis descendue. Oh! Elle a la coupe carrée. Plongeant. Un menton. La bouche. Pulpeuse. Qu'est-ce qui se passe? La bouche est pulpeuse. Elle est déjà... Bah en fait elle a une drôle de tête, hein. En vrai elle ressemblait à un mec quand elle était enfant. T'inquiète, bientôt livré samedi, ils partent en vacances avec papy et mamie pendant 2 semaines et demie. Oh, tu vas kiffer! On reconnaît le nez qu'elle avait. Attention, là, elle ferme les yeux. Ah oui, c'est vrai. Ah, j'avais oublié. Je pensais qu'elle allait s'animer en mettant un, mais non, non. Donc, j'ai mis de l'informatique en aspiration. C'est dans... Ouais, j'ai mis de l'informatique. Et donc, les traits, c'est délicat, geek et joyeux. Elle est geek, elle sera joyeuse. Ça se voit, hein, toutes ces couleurs sont vertes, ça se voit incroyable. Bon, j'aime bien ce quand ils sont comme ça, ça donne un effet.
Comment? Mais comment? Est-ce possible? What? Ouais, et encore, je trouve que ça lui donne un style, cette coupe. Oh, mais qu'elle est belle! Ah, oh, c'est mon élu. Il y aura pas de compète. Il y aura pas de compétition. Tu es l'élu, pom-pom. Tu es the only one, pom-pom. Vas-y, appelle à table parce que de toute façon... Ah, tu vois, Martial, il est bien appris. Hein, lui, il mange le petit sandwich qu'on a fait à part. Voilà. T'aimes pas trop le nez? Moi, c'est ce que... C'est pas que c'est ce que je préfère, mais ça change, en fait. Je trouve que tout le reste est hyper fin et le nez, il l'est un peu moins. Et ben, ça fait un nouveau visage. Oh, j'ai encore viré ce putain de tapis. Oh bah, il restera dans son inventaire. Yefana ! Vas-y, tu me saoules. Tapine se mord, là. Tu vas remercier tout le monde. Tu vas faire connaissance avec Martial. Oh, il y en a une qui clignote, ici. Ah, grosse surlée. Qu'est-ce que tu fais, toi, encore? Laisse ça tranquille. Tu veux que je te mette ça? Comment ça s'appelle déjà? Un harnais. Un harnais pour chat. Tu veux vraiment que je te mette ça? Tu vas kiffer, tiens. Tu vas devenir dingue. Bon, 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 bon. Dag, dag. Le tapis, c'est relou quand il se barre. La grosse survie. Mais ils ont mis... Ils ont mis toutes les assiettes par terre. C'est gros, dégueulasse. Jenny, il y a de la vaisselle. Tu arrêtes. Tu arrêtes. Ouais, il a peur de moi. Petit hein. Con. Bon, le Hulk... Il y a moyen que tu ne participes même pas en rêve. Il y a un lapin, là. Tu feras passer le aspirateur. Où se parle? Il y a tellement de monde qu'on n'a même pas le temps de parler aux gens. La journée, partager un secret, parler de cuisine. Pom pom! Pom pom! Bonniche la vaisselle plus vite que ça. Je suis horrible. Je suis horrible de faire ça. Mais oui, mais mes autres Sims, ils sympathisent, tu vois, ils socialisent un petit peu. Oh, il connaît pas ses tatis, lui! Mais quel. Ah! Il y en a un qui est tendu là. Qu'est-ce qui se passe, Martial? T'as pas fait caca? Ou il y a trop d'enfants pour toi autour? C'est là, il y en a un qui veut tuer quelqu'un. Ça, c'est Martial quand il est vénère quand vous faites des conneries sur le chat. Voilà, mais il est comme ça. Il a envie de ban tout le monde. Mais il se retient. Parce qu'il sait qu'il a pas le droit. Mais il est comme ça. Martial vénère. Ah oui, moi, je le trouve encore plus beau que d'habitude. Même si ce Sims ne lui ressemble pas. Enfin, il lui ressemble sans lui ressembler. Il fait peur, le monsieur. Ça me change quand je joue, toujours moi qui mets les assiettes dans l'évier. Ah ouais, non, tant t'as des Sims qui le font. Regarde ça, en plus elle passe aspirateur derrière, c'est magnifique. Voilà. On discute, tout ça, tu racontes des ragales. Une histoire populaire. Oh, dans les balles populaires. J'ai vu ta mère et Lucifer qui se faisait prendre par derrière. Pardon.
Qu'est-ce qu'elle veut, elle, la grosse, là? Avec ses cheveux et ses fleurs, pardon. Bon, bien sûr, il va avoir du relooking, hein, pour la semaine pro. Mais bon, je suis très agréablement surprise. Arrête de te cacher derrière tes cheveux, wesh. Ah, oh, salut mon chéri. Non, non, il n'y a rien acheté. Il n'y a rien acheté. Arrête de jouer avec ça, je t'ai dit. C'est pas possible, lui. Hein. Petit con. Il a plein de jouets. Il veut jouer avec quoi? Un harnais qui est rangé là. Et qui pendouille un peu. Il vient de dire que Charlie est enceinte de son chef. Mais jamais de la vie. Jamais de la vie, Coco. Ouais, un beau cul en plus. Hein. Oh, elle est belle, notre héritière. Oh, sans retouche en plus. C'est merveilleux. Hey, salut la populace là. La prochaine fois, venez pas les mains vides. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Regardez-moi ça. Ah, la queue, le. Ah, la queue, le. Tout le monde s'en va. Ah, la queue, le. Et rentre chez soi. Ah, la queue, le. Les Sims se barrent. Ah, la queue, le. Et qu'est-ce qu'on se marre? Ah, la queue, le. Tout, le, tout, tout. Toya, il a bien travaillé, il a bien mis les bons spermatozoïdes dans le truc. Ouais. Écoutez, j'ai même pas envie de reprendre Opaline, hein. Je vais me contenter de gérer la petite. Hein. Mais qu'elle est belle! Récompense gagnée, vous avez un nouvel abonné. Merci pour le nouvel abonné sur la galerie. Alors, ma biche. Tu vas me prendre une petite douchette quand même. Comme eux-mêmes. Un petit pipou comme eux-mêmes. Ah, il va être cassé parce qu'il est encore piégé le machin. Comment il va lui? Oh, il est pas terrible. Toya, va t'occuper de merguez un peu. Il va pas trop bien. Non, pas hurler dessus. Je pense pas que ça va bien marcher. Et donner une friandise. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas tout faire tomber. Mais il m'énerve, j'en peux plus de ce chat. Moi, il fait des conneries. Il fait que des conneries. T'es en train de t'engager sur la chanson. Est-ce qu'un sim peut être à la fois un vampire et un sorcier? Bonne question, Alex. Fais un sim vampire et fais-le essayer de devenir... Oh, il s'est fait piquer. Il s'est fait mordre. Il va mourir? T'es chiant. Allez, non. Tu vas voilà avec Toya et nous on va s'arrêter là. Oh, ça fera quand même presque 2 heures, hein. Hein? C'est ta faute, ça? Histoire de fêter l'anniversaire de la jolie pomme. Qu'on relookera et que la semaine prochaine, elle sera parfaite. Je peux le faire, mais dans le CAS, mais pas autrement. Ah ouais? En vrai, je sais pas, j'ai jamais essayé ce genre de truc. Pomme va monter sur le trône de l'héritage sans passer par la case bagarre. Franchement, si c'est pas elle qui gagne, je le rends encore plus mauvaise. Donc, on verra bien la semaine pro qu'on va la relooker. Mais bon. Au niveau des choses, j'ai besoin, c'est soit la fenêtre sorcier, soit celle de vampire, mais pas les deux combinés. Oui, mais au niveau besoin, mais est-ce qu'au niveau gameplay, il peut avoir
vampire, tu sais, qui doit se nourrir de plasma et en même temps avoir la baguette magique, quoi. Je sais pas, faudrait tester. Il y en a, ils ont fait des micmacs entre vampires, sirènes et tout, et puis ils avaient des bugs dans le Sims. Non, non, tu dors. Dors. C'est quoi son problème à elle? Elle est somnambule peut-être. C'est bientôt l'anniversaire de le Hulk. Et ben le Hulk grandira la semaine prochaine. Peut-être que la semaine prochaine on passera du coup déjà l'élection de ouais, alors on va voir du coup. Soumis à réflexion, hein, parce que j'ai peut-être pas envie que pour moi elle est quand même hein. Voilà, en tout cas, moi c'est là-dessus que je vais vous quitter pour YouTube. Je vous remercie d'avoir regardé cette rediff. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager comme d'hab. Et puis on se retrouve très bientôt. Je vous fais des gros bisous. Et portez-vous bien. Bon week-end. Ciao, ciao.